Ok, donc bonjour Charlène. Bonjour, monsieur. Donc Charlène est française. Donc on va manger des plats colombiens. Donc est-ce que tu as déjà entendu parler de plats colombiens dans ta vie ou jamais? Pas du Pas du tout? D'accord, bon, on va découvrir ensemble. Je connais pas. Tu vas découvrir sur tout ça. Alors on va commencer par les chips au citron. Donc est-ce que en France tu as déjà vu des chips au citron? Non. Moi non plus. Donc on va goûter Ah, ensemble. l'oignon, j'aime aussi trop. Ouais, l'oignon, ouais, un tas de trucs, mais c'est vrai que je pense, ça a l'air un peu exotique. Bon, ben, j'avais dit au bout d'un moment. Voilà. Donc, on va goûter ensemble, même si moi j'ai déjà goûté. Bon, j'aime bien, mais c'est pas non plus. Alors, tu vas nous dire qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça C'est super bon. Super bon. va? Ouais. Un Donc, peu acide. est-ce que tu sens le citron ou pas trop? Un peu, c'est léger. Et donc, un peu acide, ouais. Un petit peu, en D'accord. verre. Et ça, t'as pas l'air sucré parce qu'il y avait une Ukrainienne qui avait goûté, qui avait dit que c'était Non, sucré, c'est pas non? sucré. D'accord, on va voir maintenant. Alors, on a trois boissons qui sont typiques de Colombie. Alors, on va commencer par la meilleure, celle que je préfère, c'est celle-là, la colombienne. En fait, la colombienne, hein, la traduction littérale. Donc, c'est l'orange. Donc, on va goûter et tu vas me dire si t'aimes le goût, si t'as déjà goûté quelque chose de similaire ou non. Ah oui, ça ressemble à la boisson algérienne Selecto. Ah oui? Ouais, Le passage ça gêne? ressemble. D'accord. Et tu aimes plutôt le goût, pas trop, Moi, moyen? c'est très bon. T'as bien? Ça va. Ouais. Moi aussi j'aime bien, sauf que c'est un petit peu, je sais pas si tu trouves, un peu trop sucré, un petit peu. Enfin. C'est pareil que la boisson que je te dis. D'accord. Donc, oh, et c'est une boisson vraiment C'est algérienne sucré. typique, parce Ah que j'ai jamais goûté. oui, c'est Et en France, typique. elle est trouvable Oui, on ou... la trouve. Ouais. D'accord. Ça Donc me ça. rappelle le goût. Ok, maintenant on va goûter à... Alors, Postobon, c'est une marque colombienne qui fait du raisin. Donc c'est saveur raisin, le parfum raisin. Donc, je suis pas fan moi, mais bon, on va goûter ensemble et on va voir. Ok, c'est Donc, c'est bon. la violette, hein, le raisin violet. C'est super bon. T'aimes bien? Ouais, mais ça n'a pas le goût du raisin. Ça n'a pas de goût de raisin? Ça a le goût de la violette, justement. De quoi? C'est la violette. De la violette? Ouais, je D'accord. trouve. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le raisin, en plus, je ne le sens pas trop, quoi. Non, ça a vraiment le goût de la violette. Ouais. C'est bizarre. Donc, c'est du faux ouba, ça veut dire raisin. Donc. Du faux raisin Du faux raisin, de la violette. Ouais, bon, moi je suis pas fan trop. Enfin, ouais. Non, j'aime bien. ouais. C'est mon préféré pour l'instant. Apparemment, c'est préféré. Ouais. Ouais, moi en tout cas, ce que j'aime pas, je sais pas, c'est que y a pas beaucoup de gaz. Enfin, ça, on dirait pas que c'est une boisson gazeuse. Et je préfère la colombienne. Et voilà, maintenant la dernière. Alors, celle-là, on va la goûter ensemble. La Pony Malta s'appelle. Je la déteste. Je la déteste. Je l'ai goûté une seule fois. On m'avait fait croire que c'était de l'alcool. Donc je la déteste encore plus. Mais en fait, c'est pas de l'alcool, mais j'aime pas. En plus, ça sent pas bon, je crois. Bon, enfin, ça n'a pas trop d'odeur, mais j'aime pas. Bon, on va goûter ensemble, mais j'ai un peu peur. Ah, je déteste toujours. Hein. C'est vraiment dégueulasse. J'aime pas. On dirait un médicament. Médicament contre la grippe. Non, du sirop. Ouais, un peu de C'est entre sirop. le caramel et le café, on sait pas trop, et c'est vraiment bizarre. Ouais, enfin, t'es d'accord avec moi qu'elle est pas très très bonne cette boisson, donc bon après on n'est pas là pour critiquer, mais la Pony Malta, je ne sais pas pourquoi, Non. je sais pas, on n'est pas habitué au goût, mais en Europe on ne voit pas beaucoup de choses C'est bizarre. similaires quoi. Ok, on va goûter maintenant les choses sucrées, alors, donc je sais plus, ça s'appelle Manjar Blanco, Naranja con Manjar Blanco, bref c'est un peu de l'orange avec une sorte de caramel, en fait en Amérique latine il y a un truc qui s'appelle arequipe. Je le comparerais au caramel, mais il doit y avoir peut-être un autre produit qui ressemble à un autre ingrédient. Confiture de lait, peut-être, non? Peut-être confiture de lait, c'est possible. Mais en tout cas, c'est typique de là-bas et ici, pas tant que ça. Donc ça a l'air un peu visqueux et gluant, je sais pas si t'as remarqué. Non, Ça a c'est l'air pas d'être très collant. Donc on va essayer de goûter un petit bout, peut-être pas tout, mais un petit bout ensemble. Ok. Donc c'est la première fois que je le goûte aussi, j'ai jamais goûté à ça. Non, j'aime pas. Un peu acide pour moi. C'est bon. T'aimes bien? Moi, je trouve que c'est trop acide. Je sais pas, j'ai goûté aussi ce qui est dur, là, la carapace. Moi, je trouve justement que l'acidité, ça, c'est bien avec le trop sucré du tout. Ah ouais, comme ça Donc, régule ça avec. équilibre, ouais. Ouais. C'est bon. Donc t'aimes bien, toi. Ouais, c'est pas mal. Ah, moi, en tout cas, ouais, je sais pas, je suis pas trop fan. Parce qu'en fait, je suis déjà pas trop les trucs sucrés, moi. Et en plus, si c'est sucré avec de l'orange. Tout cas, ça donne de l'énergie, c'est sûr. Ah ouais. On va se réveiller avec ça. Ouais, en fait, j'aime pas trop. Mélanger fruits avec le sucré, tu vois. Donc, soit je mange une orange, vraiment une orange, soit du sucré, du chocolat par exemple. Bon, et on va terminer maintenant avec les bonbons au café.
Donc, je sais pas si tu savais, la Colombie, c'est le deuxième pays exportateur de café du monde après le Brésil. Donc, c'est normal pour eux d'avoir des bonbons au café. Ah bon, il y en a déjà là. Donc, on va en goûter un. Tu vas nous dire. C'est même. Ouais, bah, c'est tous au café Delight, sans sucre, je crois. Donc, ces bonbons, c'est vraiment typique de là-bas. Bon, après, ils ne se mangent pas non plus tous les jours à l'école, etc. Non plus, tu vois, c'est plus quand même pour les touristes. Ouais. Mmh, ouais, on sent le café, je sais pas si tu le sens là. Damien mmh. Ouais, en tout cas, on sent vraiment. Je suis fan de café donc. Ouais. Génial. Il est pas trop sucré comme il est écrit, ouais, donc non, ça va. Ouais. Mmh. Donc le matin, moi j'aimerais bien prendre dans le bus un petit café dans la bouche, ça serait pas mal. Quand t'as pas le temps de prendre ton café. Ouais, voilà. C'est exactement ça. D'accord, donc du coup, dans tout ce que t'as pu goûter, alors c'est quoi la chose qui t'a le plus plu et le moins plu? Le plus, je dirais que c'est la boisson. Donc la boisson, la violette, au raisin, entre guillemets. Et le moins, c'est la boisson là. Là, comme moi, la Pony Malta. Ouais, mais en plus, c'est vraiment... On n'arrive pas à décrire le goût, c'est bizarre. Ouais, enfin, c'est vraiment pas typique de l'Europe. Donc, depuis si on était petit et qu'on avait goûté à ça, peut-être tous les jours on aurait aimé, mais, mais là, comme c'est très exotique et bizarre. Voilà. D'accord, bah, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu peux dire au revoir en espagnol Oula. Tu sais pas comment dire. Bon, alors en italien, vu que je sais que tu parles italien. Arrivederci. D'accord, bah, merci beaucoup alors. De rien, Michel. Au revoir. Au revoir. Adios.